père de deux enfants, diplômé de l'école biblique résident, licencié en théologie à EFTEL, comptable, aumônier de l'hôpital Lumière de Bonnefin, pasteur de l'église MEBSH de Bonnefin, surintendant du district de Bonnefin, directeur de la région de Cavaillon. Il répond au nom du pasteur Smart Théa. On applaudit le Seigneur matin. Et c'est lui-même qui a passé ce chair-là pour la parole. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, chers internautes, chers auditeurs de nos différentes radios qui écoutent nous à travers le pays ou à l'étranger, frères et sœurs ici présents, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Amen. La paix, bon Dieu, avec nous. Amen. Grâce, bon Dieu, avec nous. Amen. Est-ce que vous êtes content pour la matin? Amen. Moi, content pour moi. Est-ce que vous content pour les gens qui sont côté la matin? Amen. C'est un plaisir pour moi avec vous matin. Je remercie le Seigneur. Tout d'abord, de ce que il fait nos faveurs, il fait nos grâces pour nous la matin. Et il permet que nous sommes capables, parmi si la yo que il choisit pour accomplir cette noble mission pendant la semaine ça. Et nous remercions également le comité exécutif de l'œuvre qui également porté dévolu sur nous-mêmes pour nous avec au matin. Eh bien, sans plus tarder, je peux inviter vous pour consulter Bibou. Oui, Bibou avec moi matin. Hein? Pendant que nous prenons le lit dans Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Nous allons lire verset 23 et verset chapitre 9, verset 1er. Ésaïe chapitre 8, verset 23. Et le chapitre 9, verset 1er. Ésaïe, chapitre 8, verset 23 et chapitre 9, verset 1er. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Parole du Seigneur. Ésaïe, porteur de ce message prophétique, était à vivre à cheval sous le 8e siècle. Il était vivant sous plusieurs rois qu'il était connu dans la période où il était exercé le ministère. De 740 vers 680, il était exercé un ministère qui danse sous l'époque ça, sous roi ça. Et ministère, il était embrassé non seulement tribu de Juda côté que il était lui-même dans le royaume de Juda côté qu'il était grandi, mais il était aussi couvri le royaume du Nord côté que ministère li pat mince également et concernant ça qui t'a passé dans zone ça. Et il a bien considéré le verset 23 du texte. Il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Cela dit au moment même que
Esaïe tape vive. Il y avait eu des angoisses, des temps des moments de détresse. Et c'est tout d'abord avec cette détresse, c'est sur cette détresse que nous avons réfléchi matin, sur ces angoisses que nous avons réfléchi matin tout au début. Angoisse, dans le cadre du maintenant du prophète Esaïe, l'été couvrit ces deux royaumes, comme moi déjà dit. Tout d'abord, si nous considérons le royaume d'Israël, ça qui était bouleversé le prophète Esaïe, c'était ouais comment Assyrie était annexée zone ça, toute la Galilée, il te prend, il mettait sous contrôle. Mais ça qui était le plus grave, c'est lorsque vers les années 722-721, Wassalmanaza envahit Samarie, déporté moun Samarie, déporté moun qui dans le royaume Nosa pour aller avec eux en Assyrie. Ça c'était une détresse profonde, c'était un temps d'angoisse vraiment profonde pour le prophète de Dieu. C'est vrai, comme c'est déjà dit, il était grandi dans Juda, mais tenant compte que le peuple d'Israël dans le nord était devant bon Dieu avec le peuple Juda seul, en principe. Ce qui se passait en Israël était intéressé le prophète grandement. Il n'est pas capable de comprendre comment le peuple Israël était tombé dans une détresse comme ça, côté que pour déporter les Israélites et par-dessus tout pour prendre le monde en Assyrie. Vin placé dans le pays ça pour c'est eux-mêmes qui pral multiplier dans zone ça. Ça c'était un bagage extraordinaire. C'était un bagage qui était marqué, c'est un événement qui était marqué la vie du prophète de Dieu. Et je dirais c'était la désolation totale pour le prophète. Mais qui cause qui te mené peuple là dans situation ça. Qui ça te porté peuple arrivé subi cette défaite. Quand nous lit Deux Rois chapitre 17 verset 7 jusqu'à verset 17. Li bay plusieurs bagailles, plusieurs raisons qui te fait peuple là connaître une telle défaite en Israël. Donc ça dit les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel. Yo t'a bâti au lieu, yo t'a bâti temple aux idoles. Yo te gen kouyo raid, ça veut dire que yo t'a rebellé contre bon Dieu. Yo t'a abandonné loi bon Dieu yo, la loi qu'il te bayo du temps du prophète Moïse et alliance tout l'autre règlement qui t'est entré dans cadre ça et yo t'a fabriqué idoles. Lorsque nous lisons verset 16, où tout bagay sa yo, te concouru pour rendre que bon Dieu te vire d'eau by peuple Israël. Mais c'est pas ça seulement qui te bouleversé pour le prophète Esaïe. Le prophète Esaïe était aussi bouleversé par ça qui a passé dans propre royaume pâle côté qu'il a grandi en Juda. C'est que Assyrie pas seulement fait ça le fait dans le nord, mais Assyrie également devine dévasté pays Juda. Nous te ouais comment hier soir avec le prédicateur il te montré comment Akaz te a consulté Assyrie pour venir porter le secours contre Syrie avec Israël uni ensemble. Et ça pas sorti bien pour tribu Juda, pour royaume Juda. Ça pas sorti bien au point que gagné auteur ça Warren Wesby dans livre lui qui c'est Be Comfort, il dit angoisse peuple bon Dieu a, il vini de toi mauvais choix qu'elle t'a fait. C'est parce que
n'a consulté Syrie pour porter le secours, c'est comme s'il a abandonné bon Dieu qui est comparable à de l'eau Siloéa dans Jérusalem, un de l'eau qui cap coulé douce, en bilal porter tête li by Assyrie qui est un gros fleuve qui détruit toute sa joie sous passage li. On connaît souvent, parfois nous cherchons secours nous, côté nous pas ta doué chercher. Parfois nous disons dans notre langage nous, ou habitué, ou dit parfois courir pour rivière qui va tomber. C'est ça qui est arrivé. Avec les dirigeants du royaume du nord, du sud, qui dit le royaume de Juda. Ah, trois mauvais choix ça y est, que l'auteur comprend que Akaz te fait. Il dit que non seulement c'est comparable à quitter de rivière pour tomber dans un déluge, pour tomber dans un gros fleuve, mais c'est abandonner aussi bon Dieu comme un sanctuaire pour le peuple, pour y aller prendre en piège un ennemi. C'est abandonner la lumière pour y aller tomber dans le fait noir. Parce que Tesla parlait de, si, comme il te dit à prophète, si. Yo t'a dit pour aller consulter des vins, aller consulter monde qui après les morts. Ça c'est courant fait noir. Il te dit pas suivre monde dans mauvais dans chemin ça. Au contraire, prophète l'a dit, c'est la loi de Dieu, c'est témoignage de Dieu, c'est ça qui est important, c'est ça que tu dois prioriser. Donc vous devez reconnaître que yo t'a fait mauvais choix. Nous t'a dit, Akaz semble être oublié. Bel texte que vous-même, avec moi-même, nous remet en pile. C'est lorsque nous lisons dans Psaume 46, verset 1, il dit, Dieu est pour nous un refuge, un secours qui nous manque. Dans le cas de détresse, Akaz dit oublié que c'est bon Dieu qui refuge là. C'est lui-même qui appuie, qu'il a besoin de consulter. Donc maintenant, bien-aimé, on n'a pas oublié nous-mêmes. Si Akaz t'a oublié ça, mais nous-mêmes, on n'a pas oublié ça matin. Dans un moment difficile que nous avons traversé en Haïti aujourd'hui, si nous avons un côté, nous devons chercher refuge, nous devons chercher appui, nous devons chercher secours. Il n'est pas dans l'homme, mais il est dans l'Éternel des armées. Dans l'Éternel des armées. Cette leçon ignorée par le roi Akaz, semble-t-il que son fils Ézéchias, il était bien prend leçon à lui-même. Parce que, lorsque nous consultons 2 rois chapitre 18, nous jouons que Ézéchias va faire face à même pression ça de la Syrie. Bien que cette fois-ci, ce n'est pas avec mémoire, mais cette fois-ci, c'est avec roi Sanchérib. Nous connaissons l'histoire ça bien. Pression était en pile. Et il y a une parole que sûrement le prophète là connaît, t'étendait parce que. Le roi Ézéchias était consulté, il était parlé avec lui sous dossier à tout. C'est lorsque les envoyés de Sanchérib ont dit à un représentant roi Ézéchias, écoutez, bon, dis-nous bien, où est tout le monde qui soumira là, nous ne pouvons pas remettre ça, m'a dit nous là, yo gen pour manger excréments, yo gen pour manger bwè, disons bwè pipi même gens avec nous. Quelle parole? Hein? Ça veut dire, représentants ou bien les délégués, les envoyés du roi d'Assyrie, ils ont venu pour mettre en pression maximale, genre expression absonnée, bien à l'échelle mondiale qu'on y a. Ils ont pression maximale sous le roi Ézéchias en Juda. C'est faire connaître que si vous n'avez pas cédé devant le roi Sanchérib, si vous n'avez pas coubé, gens qui ont commencé à couper, si Ézéchias tenu pour lui, qu'il y tête avec le roi Sanchérib, mais ça, vous pourrez le manger, mais ça, vous pourrez le boire. Ça, vous avez bouleversé le prophète. Ça, vous avez bouleversé le prophète. Et de sur quoi, vous dit, représentant roi Ézéchias, Yo dit que bon Dieu que wa t'a le pencher sous lia, ça veut dire l'Éternel. L'Éternel pas capable faire rien pour yo parce que
Gardez ça qui vivait avec l'autre pays qui gagne Dieu par eux. Gardez ça qui passe avec yo. Ou à son chéri, bien t'en prends pays ça yo. Li mette yo sous contrôle li. Est-ce que nous pensons Dieu nous-mêmes, nous pensons nous gagner? Est-ce que nous pensons un Dieu comme ça capable de faire qui choye pour nous? Est-ce que vous pensez que parole ça a été fait pour faire Isaïe bien? Non. Est-ce que parole ça a été sonné bien? Pour roi, pour représentant roi? Bien, non. Ça n'a pas marché bien. Ça n'a pas capable de sonner bien. Et face à la réalité, ça, qui est si triste, comme nous dit tantôt, Ézéchias prend leçon. Et qui leçon qu'elle prend? C'est que papa te consulté la Syrie pour porter le secours contre la coalition d'Israël et de Syrie. Il voit comment ça t'est passé pour yo en Israël. Lui-même lui dit, pas prend direction ça. Pas prend chemin ça, papa me te prend. Et moi-même qui ça m'a fait? M'a consulté l'Éternel. Et lorsque nous lisons dans 2 Rois chapitre 19, verset 14 au verset 20, verset 14 au verset 19, nous jouons comment Ézéchias dit nous, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut, puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Amen. Lettre lui recevoir message que vous voyez Bali, message qui en cause de détresse, qui bouleverse lui, il prend la langue temple et puis il pote chaye la bakimoun, il pote elle ba l'Éternel. Texte ça continue, il dit, Ézéchias dit bon Dieu dans verset 16, Éternel, écline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde, entends les paroles de Sanchérib qui a envoyé Rabshaké pour insulter les dieux vivants. Et qu'ils ont jeté le... il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays. Et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux. C'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre. Et ils les ont réduits à rien. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Amen. C'était là la prière d'Ézéchias dans le temple de Dieu. La parole de Dieu nous dit, invoque-moi au jour, je te délivrerai. Qui s'en a fait? Ou même n'a gloire. Bon Dieu, pas de printemps, effectivement. Pour te incliner oreille, pour te tendre, ça a Ézéchias t'a dit. Et c'est ainsi que, lorsque nous lisons dans chapitre 19, au verset 35, verset 36 et 37, on a regardé la réaction de Dieu. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Est-ce qu'on a l'église là? Amen. Lorsque bon Dieu fin tendait intercession d'Ézéchias, plaidoirie d'Ézéchias pour le peuple, bon Dieu voit les anges, il détruit 185 000 mondes. Il est levé le matin dans le camp. Ils joignent que c'est mort, c'est cadavre, il a compté. Et lorsque Ézéchias voit ça, Ézéchias retourne à Ninive, la capitale d'Assyrie, désolé, accablé, parce que l'Éternel t'est campé pour le peuple. Amen. Amen. Joue l'Éternel campé pour ennemi en yo a bat ba. Est-ce que l'église est là avec moi maintenant? On va connaître qui ennemi on gagne. Nous connaissons qui ennemi Haïti gagne. Mais chaque monde qui là, ou qui ennemi pas, mais joue l'Éternel levé campé pour ennemi a obligé bat ba. Amen. Bon Dieu a fait ça. Bon Dieu qu'a fait. Il connait faire. Il qu'a fait jodi il a préféré encore. Vous mettez quoi ça? La faire. La faire.
Lorsque nous regardons le texte là dit, le prophète là te dit, les ténèbres pas capables de régner pour tout temps. C'est vrai, il y a des pressions. C'est vrai, il y a des angoisses, il y a des cancers, malheur à menacer. Mais ça n'a pas prêté pour longtemps. Il y a un jour, ça, la suspendre. Oh, il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés au couvert de pauvres le pays des Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, du territoire des chantiers. Est-ce que, bon Dieu, tu es seulement tenu compte pour l'agir dans le présent du prophète, dans le maintenant du prophète? Non. Bon Dieu a eu un plan d'avenir. Un plan d'avenir pour ce peuple d'Israël qui a déporté vers la Syrie et place qui a été occupée par des Assyriens. Bon Dieu, il y a un plan pour le peuple. Et c'est dans le cadre de ce plan, de ce dessein divin, qui fait que, pour faire la continuer, pour le dire, le pays des Zabulon et des Nephtali. Lorsque il dit le pays des Zabulon et des Nephtali, pral connaît une période de gloire. Ça t'a demandé pour nous faire un petit coup d'œil maintenant dans Matthieu. Matthieu chapitre 4, du verset 12 au verset 17, que m'appli rapidement. Il dit, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira de la Galilée, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen. Donc, bon Dieu, dans le cadre, plan libre ou peuple, il n'y a pas oublié. Il te pensé à eux-mêmes pour l'avenir. Il te fait provision pour l'avenir. Et c'est dans ce cadre de cette provision que Jésus, comme étant la lumière que le prophète l'a dit, ouais, qui pourrait venir, lumière ça, il paraît, il grandit à Nazareth, dans le pays de Zabulon. Et lorsque il tendait que vous mettez Jean-Baptiste en prison, pour raison qu'on connaît, que nous pas prêter sur les matins, Jésus déplacé de Nazareth, il y allait à Capernaum. Capernaum qui est un petit peu, beaucoup plus dans le nord, dans les territoires de Nephtali. Et c'est là, il est installé. Et la parole nous dit, maintenant, que c'était conforme à la prophétie d'Esaïe. Autrement dit, prophétie accomplie avec ce déplacement de Jésus de Nazareth vers Capernaum. Quel message porté par ce Jésus, cette lumière qui devait resplendir sur le peuple de Dieu? Le message n'était autre que ceci. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Est-ce que vous pouvez répéter le message là pour nous? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Cela dit, tout le monde à Capernaum, tout le monde dans la Galilée, tout le monde dans Samarie, tout le monde dans le peuple bon Dieu, a été fait qui ça? Il a été tourner, venir jouer bon? Tourner, venir jouer bon Dieu. Surtout dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, ça, à Capernaum. Il a besoin de tourner, venir jouer bon Dieu. C'est lumière ça même que le prophète l'a dit, ouais, qui a vini, qui pral briller. Et ça intéressant. Ça intéressant dans la mesure où ces zones ça même
que détresse te ravager sous le dans le maintenant du prophète Esaïe. Ça veut dire c'est eux-mêmes qui étaient premières victimes. Pays Juda, ils étaient pas victimes plus tard face aux Babyloniens, mais face aux Assyriens, c'était zone ça, le nord du pays qui était frappé. Et premier frappé, au premier victime, yo pral les premiers bénis de Dieu. Est-ce que l'église est là avec moi? Yo pral les premiers bénis parce que c'est eux-mêmes qui pral recevoir premier message que lumière du monde là li pote sur la terre. Repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Ça est intéressant pour nous souligner en passant. Samarie, comme nous tous connaissons dans le nord, c'était une zone qui était méprisée. C'était une zone qui était négligée. Dit au monde, c'était Samaritain. Vous croyez que ça te voulait dire? Pas de relation entre eux-mêmes avec les Juifs. Mais regardez bien. Jésus, qui vient porter la consolation pour le peuple de Dieu, pour tes lumières, pour tes forces, pour tes courage, pour tes espérances, lui approcher la femme samaritaine au bord du puits. Et qui ça va demander? Il va demander pour le l'eau pour le boire. Moun qui deux peuples qui pas même ta doué n'en parler ensemble. Seulement parler ensemble ta doué un scandale, mais voici. Jésus aborde elle. On t'a remis un bam et puis de l'eau pour le boire. Là nous gain pas problème avec moun, nous quand dit hein, parole pas on peut parler, mais c'est le bagage, m'a veillé votre moi, mais Jésus pas de veillé votre. Est-ce que l'église est là avec moi? Hein? Jésus pas de veillé votre parle. Bande de l'eau pour moi. Parce que l'idée estime que, lors même que, peuple ça son peuple qui méprisé, mais il y a un bagage dans l'église qui bon quand même. Est-ce que l'église est là avec moi? L'idée tellement apprécié les Samaritains, les gens du Nord, les gens, on t'a dit, de pays, des gentils, des païens. On regarde une petite parabole qu'on connaît bien. C'est l'évangile Saint-Luc, chapitre 10. Dans l'évangile de Luc, chapitre 10, nous avons une belle histoire, ça, qui c'est la parabole du bon Samarie, bon Samaritain. Ah, Jésus, lui prend temps pour le montrer que bandit qui t'a frappé, monsieur, yo, alors monsieur qui t'a victime de bandit, yo, qui t'a couché à terre, ils ont prêt à passer. Il n'est pas occupé, mais on prête, c'est qui bosse à tes deux sorties. En Juda, hein, c'était peuple saint de Dieu, mais il passait, il n'est pas victime. Ils ont vite passé, encore, la même chose, il passait, il n'est pas victime, ça qui a besoin de support. Mais, on regarde ça, Jésus dit. Qui ça, Jésus dit, ajoutez pour le dire. Il dit, un Samaritain. Autrement dit, un gens du Nord. Quelqu'un qui est du nord, quelqu'un qui est de l'endroit méprisé, quelqu'un qui est de l'endroit ignoré. Pas qu'on est matin sur ces monde qui méprisé, sur ces monde qui ignoré, si sur ces monde qui pas de valeur. Mais bon Dieu, dit qu'on valeur. Est-ce que l'église est là? Pas qu'on est monde qui a coûté mieux. Si on a une situation ça, mais bon Dieu qu'on valeur. Jésus dit. Un Samaritain vient à passer, qui ça le fait? Il est ému de compassion, il prend monsieur, il met sous mon tuyau, après le fin fait, il bat le premier soin lui-même, et puis il mène dans l'hôpital, dans deux mains, il bat l'argent pour prendre soin, et puis il dit, l'homme va retourner, ça t'a demandé en plus, ma va bailler. Est-ce que l'église est avec moi maintenant? Ça c'est monde d'origine païenne yo. Ça c'est monde qui dans saute dans zone méprisée yo. Bon Dieu, mettez en valeur dans parabole ça. Ça veut dire quel que soit Jean Sorier, ça bon Dieu a pas attendre. C'est vrai que est-ce que au grand cœur de compassion, un cœur de misérie, un cœur de miséricorde pour agir. Maintenant, on pensait une telle considération il t'a aussi dédié maintenant en pile monde qui a écouté nous maintenant. Qui au lieu que vous montrez, vous ému de compassion, mais au contraire, vous animé des esprits qui t'ont animé bandits, qui t'ont presque tué, nom ça, qui vous t'ont mis à terre.
gens qui n'ont pas animé de l'esprit de compassion ça. Et pourtant c'est lui que Jésus a cherché. Non pas juif biologiquement. Non. Nous t'a dit non plus apparenté à moun nan noyo, nous-mêmes en Haïti et comme dans monde dans l'autre nation yo. Donc bon Dieu a pas tant de nous que nous t'a fait montre de compassion ça, de miséricorde ça face à cela yo qui a maltraité. Maintenant c'est occasion pour moun k'ap koute nous à Port-au-Prince surtout. Côté que mon a vivre dans carcéré dans détresse, côté que mon a vivre avec caisse sautée, gien monde qui Port-au-Prince qui en dehors qui perd Port-au-Prince, gien monde qui Port-au-Prince qui persécuté, gien monde qui à l'étranger qui a rentré dans qui t'a rentré en Haïti, yo pas connaît qui boy yo t'a passé. C'est ça qui fait peut-être développement aéroport dans zone régionale yo dans t'as capable peut-être utile non cas comme ça parce que tout le monde perd Port-au-Prince. Grand pile monde nous a dit au pas gain cœur. Nous t'attendais semaine dernière. Une femme qui t'a baillé un témoignage. Je voulais croire que en pile monde nous t'a écouté témoignage ça c'est son station de radio dans capitale. Il dit Marie saute cafou à un petit monde, elle rivée un petit monde de 2 ans, n'est-ce pas hein, pour monde t'attendre ça. Ou pas de capable mieux là t'attendre bagaille ça. Si mon de 2 ans seulement avec papa dans machine 8h30 pour aller 2h du soir. Yo prend le samedi soir. Yo prend ni zone stade Silvio Gador. Et puis il fait tout dimanche, il fait lundi alors que Timon là de 2 ans sont Timon qui malade. Maman a expliqué, t'a expliqué bagaille là. Mon senti dans maman qui ça cap ravager pour Maril que yo prend un petit monde de 2 ans seulement. Mais on connaît ça t'est pas intéressant finalement finish là t'est pas intéressant c'est parce que monde qui t'a écouté nous regarde songer ça lorsque animateur radio ça qui t'a animé émission disons ils font un appel à conscience monsieur. Parfois, on a dit, mais est-ce que vous avez conscience? Et c'est une raison, tout à l'heure, nous avons ouais, un gros devoir que nous gagnons, ou même avec moi. Mais avant, nous avons un devoir, mais on était sous conscience là. Animateur a joué sous conscience. Pour un petit monde de 2 ans, interpellé. Maman a fait ça d'abord, et puis lui-même, il a montré, mais il y a un petit monde de 2 ans tout. Il y a un petit monde dans la salle. Comment pour supporter un tel fait, etc. etc. Quelques secondes, c'est quelques minutes, mais ça t'est tellement fait si rapide, là même dit quelques secondes après. Yorele yo dit, y a plagué. Et ça pas de printemps vraiment. Pendant l'émission, pas qu'on même fini. Yorele t'en libéré, là je viens de madame ni, là je viens de petite, là je viens de maman. Ça fait me comprendre que, encore, ça capable de faire me songer lorsque Jésus crucifié au milieu de 2 bandits. Yon a passé Jésus dans bêtise, mais gen yon l'autre quoi que criminel. Comme premier, il dit mais non, pour nous c'est justice, mais Jésus pas te mérité là. Amen. Donc il gon conscience encore, gon petit brin de conscience qui est encore vivant. Il dit mais nous même nous méritons côté nous Jésus quoi, mais Jésus pas te mérité là. Moi t'ai quoi jour matin ça, moi t'attendais à émission, moi t'ai quoi que bandi a, il était animé de un sentiment de là en repentant hein pour dire c'est vrai n'a fait ravage n'a metté la peine dans que monde n'a metté la queue dans la peine dans que famille n'a metté problème dans pays n'a metté angoisse détresse dans pays mais ti monde ça il pas fait rien pour me kembel en on libérer là papa. Amen. On t'a dit ça mandé nous matin. Ça a interpellé nous pour nous parler avant de terminer de devoir nous. Et c'est avec ça, c'est avec le chapitre ça, nous allons terminer matin. Devoir nous t'a dit tout d'abord, c'est tant que lumière du monde l'a commencé à faire à Capernaum avec ce message qu'elle t'a porté pour te dire repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Nous t'a dit, premier devoir nous sentissons. Perpétuer,
travail ça. Continuez le travail ça. C'est pas moi un travail ça qui t'a commencé, qui permet que je vous dis à nous capables, chrétiens, ça nous y est, et pour nous-mêmes, arriver réunis là, pendant ce maintenant. Nous besoin nous-mêmes continuer à faire ce travail. Mettez-nous, tant que Jésus te dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc c'est pour nous publier ce message de repentance. Les apôtres du Seigneur, ils te comprennent ça. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 38, depuis dans verset 36, on prend dans 36 à 38, là ils ont expliqué aux Juifs qui étaient réunis à côté que Jésus a été crucifié, c'est lui-même que bon Dieu fait Seigneur, fait Christ là. Il dit, apôtre Pierre, mais on y a ça pour nous faire. Ça veut dire qu'on prend conscience de ça qu'on a fait. Et puis, apôtre Pierre dit, ça nous doit faire. C'est pour nous tourner, venir joindre bon Dieu. Retourner, venir joindre bon Dieu. Maintenant, nous avons besoin de tourner, venir joindre bon Dieu. Il y a des gens qui sont capables avec nous maintenant. Nous avons besoin de tourner, venir joindre bon Dieu. Tourner, venir joindre bon Dieu. C'est vrai. Difficulté. Il permet que journée aujourd'hui aller difficile pour nous mener une vie chrétienne devant méchanceté qui gagne aujourd'hui. Mon qui a tenté irrité regarde de façon tant les charrier méchanceté, mon qui a tenté irrité, révolté ou en colère ou vienne furieux. Regarde la peine que on connaît dans la vie ou dans famille ou dans société ou dans communauté ou ça capable d'avoir rendre nous furieux. Ou t'a dit mais comment pour réagir? Gamon qui quand dit dans jour ça yo, est-ce que monde capable prier seulement mais qui t'aime dire? Nous pas capable passer au-delà de ça. Gamon capable dire si nous capable prêter seulement la confiance, mais nous pas capable prêter, nous pas capable aller au-delà de ça. Si gon l'autre bagaille capable venir la secondaire. Mais premièrement, nous avons besoin de mettre confiance nous dans bon Dieu. Ce même prophète Esaïe, au fond, il dit, dans chapitre 50, verset 10, il dit, quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Est-ce qu'elle est là avec moi? Il dit, il y a un monde qui a marché dans l'obscurité et qui manque de lumière, mais ça le doit faire. C'est pour le confier dans le nom de l'Éternel et puis c'est pour l'appuyer sur lui, la gécole sur lui. C'est le bizarre. Donc nous avons besoin d'appuyer nous sur bon, sous bon Dieu. Appuyer nous sur lui. Le psalmiste dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Est-ce que ça l'a fait? Il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Nous gagnons bon Dieu qui qu'on agit. On remet cause nous dans main lui. Mettez confiance nous dans lui. C'est vrai, comme on dit gagne méchant qui a fait tout le monde peur aujourd'hui. Tant que psalmiste nan da dit, yo campé tant que yon gros pied mapou. Hein, et ça nous lit dans Somme 37, yo campé tant que yon gros pied mapou. Mais psalmiste nan dit l'aime mal et m'tourner. Est-ce que nous wali? Non. Vous pas pour méchant. Yo pas pour monde qui fait peur. Il y a monde peut-être qui fait monde peur. Maintenant, qui t'aime dire avant m'arriver là, m'ta faire un constat. Il était 5h. M'a quitté zone 4 chemin, m'a fait voir ici. M'saisi pour moi m'pa wè monde à 5h presque 5h30. M'pa wè monde dans la rue. Caché même par le monde, même dit, mais ça. Regarde la situation. Nous tombons à 3-4 heures du matin, c'est côté où nous avons un monde a fait tout coin caché, mais a monté bus pour aller au prince pour arriver bonheur. Mais presque 5h30, par le monde. Le monde a vivre avec qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le monde paix. Le monde paix prend la rue. Maintenant, situation, je ne dis pas, mais qui nous dit, tout le monde qui a fait mon paix, quand il a passé, il a cherché à côtoyer, il a pas. Est-ce que nous la matin? Il y a des gens qui ont fait paix, quand il a été aimé ou pas? Oui. Peut-être que c'est dans la caille. Peut-être que c'est dans la communauté, on ne connaît pas quand on a évolué. Peut-être que c'est en province, peut-être que c'est dans la capitale.
mais il y a des gens qui font peur. Bon, là, il y a cherché, il n'y a pas joint. Ce n'est pas sûrement le président qui a fait parler. Ce n'est pas le gouvernement qui a fait parler. Encore moins la police qui a fait parler. Est-ce que nous là maintenant? Est-ce que nous sentons le président capable? Est-ce que nous sentons le gouvernement capable? Est-ce que nous sentons la police capable? Dans le temps passé, nous avons même le gouvernement qui prend la famille. Nous kidnappé même la famille du gouvernement. Yo policier même c'est pas parler bon ça policier a passé. Est-ce que c'est qu'on capable nous capable miser c'est qu'on nous dans direction ça yo? Non mais gars en côté nous capable miser c'est qu'on pas gagne monde qui plus grand passé pas gagne monde qui plus fort passé pas gagne monde qui plus puissant passé. D'ailleurs nous chante cantique ça qui dit quelque grand que soit un homme qu'il soit prince ou qu'il soit roi de quelque nom qu'on le nomme Jésus est plus grand. C'est lui-même seul qui est capable d'aider nous face à un monde qui a fait nous peur, qui a terrassé nous, qui a porté angoisse, qui a porté cassé dans la vie, dans la vie familiale, dans la vie communautaire, dans la vie sociétale que nous gagnons. On nous compte sur lui, on nous confie dans lui. Oui, on nous compte sur lui, on nous confie dans lui. Non, moi, mes belles cantiques, ça qui dit, les faits noirs viennent pour faire me trembler avec lui, moi, brave, les voix Satan a peu grondé, brêtez doucement. C'est ce que Dieu veut. C'est ça, il te dit, Israël, pas battre corps, l'éternel a combat. Oh. Confiez-nous dans Dieu. Nous connaissons. Il va prendre soin, il va aider nos sorties dans sa nuit-là. Parce que comme quand il ça moi mettant des dit bien délivrance là par l'autre côté c'est ça.